Salut à tous, je suis Captain Barnabus et aujourd'hui on continue notre let's play sur Arid. On est en train d'explorer la ville fantôme, la ville abandonnée. On sait pas trop ce qu'on va trouver encore. On va boire un petit coup pour commencer. Hop. Et puis on va descendre par là. J'ai vu qu'il y avait un endroit où on pouvait passer. On va à taverne. On va aller regarder un petit peu ce qu'on peut trouver là-bas. Hop là. Je sais pas comment il veut que je passe après, il y a une armoire. Non, ça va être compliqué hein. On va tout enlever déjà. Non, ça ne bougera pas. C'est pas par ici qu'il faut rentrer, là non plus. Et on va faire un petit tour rapidos. Ah bah voilà. Tout simplement. Alors ce qui est sympa dans cette petite ville fantôme, c'est qu'il y a du parcours. Vous allez voir, il va falloir trouver des accès. trouver des accès pour pouvoir franchir les obstacles en fait. Donc là, ouais, ce serait trop facile de faire ça. Donc du coup, il va falloir qu'on cherche un petit peu. Là, on voit que nos objectifs d'ailleurs, c'est explorer la taverne, explorer la pharmacie, enfin explorer un peu tout. Donc apparemment ici c'était un leurre, on peut pas passer. On va continuer un petit peu, ok. Ou alors j'ai raté quelque chose, ce qui est pas impossible non plus. Apparemment ouais, apparemment j'ai quand même raté quelque chose. Alors à moins... On peut grimper là-dessus. Non, même pas. C'est pas ça. Comment rentrer dans cette taverne? Ça, c'est une grande question. Est-ce que les volets, de toute façon, on peut pas les casser? On va passer... Là, c'est pas possible. On le sait déjà, est-ce qu'on n'aurait pas loupé quelque chose ici? Ah. Évidemment. Normalement, on devrait avoir de quoi se restaurer ici. C'est hyper utile la nuit. Là, il y a les notes, mais bon. Ouais. Voilà, on a de quoi manger ici. On va faire un petit plein du café pour l'énergie. Ah, in water, ça c'est bien. D'ailleurs, on va boire un petit coup. On est bon. Ça, lui, il n'avait pas terminé son coca, visiblement. Il y a une note ici aussi. Ok, et là apparemment on a exploré la taverne, c'est déjà terminé. Alors voilà, il faut vraiment surveiller parce qu'on peut grimper des fois sur les armoires et sur les éléments pour passer en fait. Hein. Mais là j'ai l'impression que ça s'arrête là. Que de toute façon il n'y a pas grand chose à visiter de l'autre côté. Donc on est bon pour la taverne. Ok, la bodega, on l'a déjà visitée. On va aller vers la pharmacie. Il y a une croix là-bas, je pense que c'est ça. Un peu d'eau ici. Metal box endommagé. Les graines, j'aime bien. Je vais prendre aussi. On se fait et puis on se débarrassera peut-être des planches, on en a beaucoup. Donc je vais les drop. Hop. Allez, c'est ça dont je parlais. Hop. Il y a des petits trucs à franchir et on voit un peu ce qu'il y a dedans. Donc pas grand chose. Oh là. Allez, comment c'est... C'est triste. Il y a une lettre.
ça doit brûler les pieds de marcher sur ces plaques. Je pense que c'est là, à mon avis, il faut sauter ici. Non, on peut pas visiter le... Il faut passer dessous, en fait, là, d'accord. Comment on va faire ça? C'est la grande question, à moins qu'il faille... Non. Hop, peut-être ici. Là, il y a des choses à fouiller, quand même, hein. D'accord. Ah non, il y a une, un accès, là, d'accord. Ok. Bon, ils sont pas très très compliqués, les parcours, mais bon, ça... Ça suffit largement. Qu'est-ce qu'on a ici? Des os. Intéressant. Un peu fouillé peut-être. Ouais. Rien du tout. Ah, on a un lit ici. Ok. Un coffre ici aussi. Que ça. Ouais. Un chapeau. Est-ce qu'on peut mettre le chapeau? Ah, du lait, du cuir. Ouais, ça on va le prendre. Et on va ouvrir ça. Il y a des petits messages inscrits un peu partout. Apparemment, la pharmacie, c'est pas terminé d'être explorée, hein. Alors, est-ce qu'il faut reconstruire le lit? Ou est-ce qu'il faut passer, trouver un moyen de passer de l'autre côté? Je pense pas. On va peut-être... Voilà. Ça, c'est à démonter. On a pas mal de métal à démonter par ici. Pas la première fois que je vois des trucs comme ça à démonter. Il y a des croix et des inscriptions un peu partout. Hein. On va monter par ici. Ah non, on peut pas, ok. D'accord. La pharmacie me dit que c'est pas complété. Pourquoi il me dit que c'est pas complété? C'est parce qu'il y a des bâtiments annexes à checker. Comme par exemple ici. Alors l'avantage ici c'est qu'on n'attrape pas chaud, hein. Ça c'est plutôt... C'est plutôt cool. Est-ce que ce serait pas... Si, ah ouais, il y a des choses à faire, je crois que là-bas il y a un accès de l'autre côté, d'accord. On va aller voir ça. Enfin, si je me suis pas trompé... rêvé, ouais, j'ai rêvé, complètement rêvé. Oui, le monsieur, si on peut. On peut pas le monsieur, on peut que la dame, d'accord. Là en fait il y a rien à faire dessous, donc c'est pas ici. Et je pense que non, en fait, non, c'est vraiment l'endroit où on était. Donc pourquoi ils nous valident pas cette quête? J'ai peut-être raté un petit truc. Aïe! Ça va. On va re-rentrer dedans. Là où on peut pas passer de toute façon. Est-ce qu'il y aurait une inscription derrière là? Non. Ça, ça a été fouillé. Ça, ça a été fouillé. Qu'est-ce que j'ai raté? Faut retaper le lit? Peut-être, hein. Je vais... Hop. Allez, chercher. Prendre là. Ok. Qu'il faut remettre le lit en état de fonctionnement.
Valider la quête, alors je vais quand même vérifier. C'est pas ça. On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a raté ? On n'aurait pas raté quelque chose. Ah, il y a des planches. Non, c'est pas ça. Bon, on va continuer notre exploration. Je vais manger un petit truc. Vu qu'il y avait du café, ça c'est bien pour l'énergie. C'est plutôt bien. On y va. Watch out, world. Here I come. Voilà. Voilà. Il est remis correctement. Alors, à moins que ce soit pas la pharmacie, en fait, ça. Simplement. Donc, on va continuer d'explorer un petit peu. Là, il y a un autre bâtiment, puis on a un autre ici. On dit d'aller par là. Ok. Qu'est-ce qu'on a en haut? Juste pour aller voir un petit peu ce qu'on a en haut. L'endroit d'où on arrive, ok. Mais peut-être que ça nous indique un accès. Parfait, on est rentré. Je pense que c'est l'école commune. Ah ah ah. Je prends. Aussi. Ah. Voilà, là c'était la pharmacie, d'accord. Je crois que c'est tout. Ouais. Donc, on va ressortir par ici si on peut. Ouais. Verbe. La pharmacie, c'est ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que c'est là. Ouais, on est rentré ici. Hein. Non. Pas rentré par là. Mais comment on fait? Alors. On est rentré par ici. Donc je pense qu'il faut qu'on repasse là-bas, qu'on monte sur le toit. Mais au lieu de passer par la première fenêtre, il faut continuer. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, il y a plein de petits parcours comme ça. Hop. Là, on arrive par en haut, visiblement. Je pense pas qu'on va pouvoir descendre plus bas. Est-ce qu'on a des choses intéressantes dedans ou... Non, en fait, ici, il n'y a rien à fouiller, d'accord. Je crois qu'il n'y a rien à fouiller ici, ouais. Sauf si ils m'ont fait un petit passage là, peut-être. D'aller checker quand même. Là, il y a des planches, mais je pense pas que je puisse l'enlever. Non, je pense que ça ne se fouille pas. Par contre, ceci dit, on a un... Alors des enjolivers comme ça, j'en ai trouvé pas mal. On pouvait l'activer, ce serait pas mal la petite piscine là. Là c'est bloqué, ils veulent... Les accès aux escaliers c'est jamais ok. Ah,
mon avis, on va descendre par là tout à l'heure. On va boire du coca, ça va nous remettre un peu d'énergie. Je vais le prendre. Hop là. Oh le barrel. Ah, regardez. Hop. Tac. C'était l'école. D'accord. Parfait. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On le verra. Je prends. Ok. Bon, et bah l'école. L'école c'est fait. Enfin, la maison, c'est pas l'école, c'est une maison en fait. Et la ferme ensuite. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on avait compris que ça se passait en Amérique du Sud. Alors, Rose Roi. Sans la ferme. Elle nous demande d'explorer la ferme. À mon avis, c'est ça. On va aller voir là-dedans. Ouais, un théâtre. Ah, d'accord. Faire attention, on avait raté une porte. Ça je prends tout de suite, ça je prends aussi, parce qu'on est tout le temps en train d'en ramasser. Moi ce sera fait. Hop. La bleue verre, je prends aussi. Ça je prends, c'est de la viande. Ok. Et peut-être que là on peut passer par en haut. On aurait pu passer en bas. On va boire un petit coup et refuel. Il y a plein de petits composants comme ça. Metal scrap. Donc je pense que là ça s'est visité. Hein. Non, faut trouver la ferme. Alors est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est un peu plus loin par là-bas? Non, je ne. Pas, je pense que c'est ça. Alors, je vous avoue que ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'était complètement flippant. Là, ça va. C'est soft pour l'instant. Alors, beaucoup. J'ai eu des commentaires qui m'ont dit que c'était un extraterrestre. Alors, je vous avoue que je ne sais pas du tout. Mais si vous le dites, c'est que probablement que il doit y avoir un petit mystère avec ça. Ah. Couteau. Ah. Et un mec. Ok. Et une table de craft, ça c'est cool. Un lit aussi, ça je le répare tout de suite parce que je pense qu'on va peut-être passer la nuit ici. Il y a un crochet. Je ramasse. On n'aurait pas un petit saut à faire ici, comme ça. Non, probablement pas par contre. Voilà. On va ramasser ça. Hop là. Oula. Et apparemment je suis trop lourd. On va se débarrasser de ça. Ça on va manger. Watch out, world. Here I come.
Ah, et puis on est à 28,95 sur 30, donc on va lâcher. On va manger aussi. Ça remet pas mal de nourriture. Ça, je lâche aussi. Les cailloux, pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Par contre, il y a une petite note ici. J'aime bien les lire quand même, même si je suis pas exactement l'histoire. Ah, on a un point qui s'est affiché là-bas. Ok. L'huile ici. J'en ai déjà beaucoup de l'huile, hein, donc je ne vais pas ramasser. Même aller jusqu'au bout. Hein. Ouais, on va aller jusqu'au bout. On va regarder en haut. Tant qu'on est là. Tant qu'on est là, on va checker un peu tout. Et on voit le soleil qui se couche. Il doit être. Il va commencer à faire nuit, je pense. On me demande d'aller voir ce qui se passe par là-bas. Vraiment pas mal, hein. Beaucoup. On fait un jeu de survie, mais... Ah, il fait nuit, d'accord. Ok. Bah, pas de problème. Bah, donc c'est pour ça que c'est important de lire les notes quand même, quoi qu'il arrive, parce que... Là, on me dit qu'il y a une cave qui est pas loin de la ferme à cactus. Et la ferme à cactus, du tout aller. Vu qu'il fait nuit. Vu qu'il fait nuit, on va peut-être juste tout simplement dormir. Aloe vera, je prends. Y a pas un petit lit là-dedans? Non. De toute façon, on est en train de chercher une grotte, hein. Vraiment. Et sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement retourner en ville. En ville, pour dormir un petit coup. Et pour passer cette nuit. À moins qu'on ait un petit lit là-bas. Dans la maison que j'aperçois au fond. Sans le vouloir, je vais tomber sur la ferme à cactus. Oh, il y a un livre là. Il lit tous maintenant. Allez, s'il vous plaît, un petit lit. Voilà, petit village fantôme, désertique. Hein. Donc on n'a pas de lit. On est cool. Petit village fort sympathique dans lequel on a ramassé pas mal de choses, on a appris aussi pas mal de trucs. Et là il faut qu'on cherche la ferme à cactus pour trouver en fait la grotte qui est pas loin. Mais je pense faire ça de jour plutôt pour voir quand même un peu mieux. Moins qu'on soit passé juste à côté, non. Et puis de toute façon, ça fait maintenant une petite vingtaine de minutes qu'on est sur cette exploration. Donc on va probablement s'arrêter là. Et poursuivre dans un prochain let's play. Il y en a pas quelques-uns qui m'ont demandé aussi de faire un let's play dessus. Bah, je suis chaud pour faire un let's play dessus. On va poursuivre un petit peu l'aventure sur ce aride. Et comme je publie 3 fois par semaine, donc bah, des fois je vais faire aussi d'autres jeux pour que on puisse découvrir aussi d'autres choses. Mais je poursuis celui-là, j'ai bien noté. Donc c'est ce que je vais faire. Il me semble qu'il y avait un lit là-dedans, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a un lit. Donc on va s'arrêter là. Je vais dormir et je vous dis salut à tous, c'était Captain Barnabus, ciao!